Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, October 29, 2024. The European Union and civil society organizations aim to enhance funding for climate change adaptation in Africa, recognizing a shortfall for billions in CFA funds. Experts have highlighted that without a significant financial support, the continent's vulnerable population may struggle to build resilience against climate impact. Also in this newscast, in Douala, of the over 700 motor taxi drivers, only a handful have up-to-date documentation. Many express frustration over the high cost and challenges of obtaining these essential papers, with the mayor's recent push for all drivers to regularize their status. Many face an uphill battle to comply. This story is in full, and many more will be yours right ahead. Welcome once again, ladies. Welcome, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with Leila Renkansu. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Asseg, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le Cameroun International Tech Summit a ouvert ses portes dans la capitale politique du Cameroun. La rencontre des innovateurs, entrepreneurs et partenaires veut promouvoir l'économie numérique dans notre pays. Le sommet se tient au palais des congrès de Yaoundé et ce jusqu'au 30 octobre prochain. Inès Pangan pour les détails. Il veut apporter sa contribution dans la promotion de l'économie numérique au Cameroun. Il, c'est le Cameroun International Tech Summit. Sa stratégie, créer un écosystème national en mettant en relation des innovateurs, des entrepreneurs, des partenaires techniques et financiers. Pour la transformation digitale de notre pays, nous avons les infrastructures, mais nous n'avons pas les acteurs qui développent ce qui va transformer la société. Et ce sommet qui a beaucoup mis l'accent sur le concours hackathon qu'ils ont organisé a réuni des jeunes. Et ces jeunes dont-là, qui ont compris qu'ils ont à leur disposition les instruments, le savoir-faire qui peut permettre de transformer notre pays. L'initiateur du projet, un incubateur technologique national, souhaite que la révolution technologique se fasse et soit plus rapide dans les administrations camerounaises. Il est venu aussi mettre la main à la pâte pour accélérer une transformation qui est demandée par le chef de l'État et par les actions que le gouvernement fait. Donc c'est dire que ce n'est pas une doléance, c'est défoncer une porte ouverte. Nous appelons tous les jeunes, il faut comprendre. Et vous savez, dans la vie, on comprend au moment opportun. Le sommet se tient au Palais des Congrès à Yaoundé jusqu'au 30 octobre prochain sous le thème « Technologie, innovation, entrepreneuriat et durabilité comme outil de croissance économique ». Financer l'accès à l'énergie pour l'adaptation et la résilience au changement climatique en Afrique. C'est l'objectif visé par l'Union européenne et les organismes de la société civile dans l'optique de renforcer le financement dédié à l'adaptation au changement climatique. Selon des experts, le constat fait état de l'insuffisance de plusieurs milliards de francs CFA pour parvenir à cet objectif. Olivier Bouzique. Selon les experts, les flux actuels de financement de l'adaptation en Afrique sont insuffisants pour répondre aux besoins croissants d'adaptation sur le continent. Entre 2019 et 2020, le financement de l'adaptation représentait environ 39% du total des financements climatiques prévus pour l'Afrique. Pourtant, les effets du changement climatique ont un impact réel dans les pays africains. Les besoins en Afrique pour l'adaptation annuelle sont autour de 51 milliards de dollars annuellement. Mais ce que nous constatons, c'est seulement 11 milliards de dollars qui viennent en Afrique pour, en général pour l'adaptation, ce qui est insuffisant. Quand il y a les inondations, c'est quand, comme ce qu'on subit maintenant au nord du pays, le gouvernement, les paysans, tout le monde sacrifie pour faire face à ces conséquences.
Alors, ce n'est pas les fautes qu'il y a le changement climatique. Ce phénomène est exacerbé par l'urbanisation rapide, les tensions géopolitiques et l'impact des chocs mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. La hausse des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et d'autres produits de base a aggravé les risques liés au climat en matière de sécurité alimentaire et d'accès à l'énergie pour la population africaine. Ce forum des jeunes sur le financement de l'adaptation ambition donc identifie des barrières critiques et des opportunités en vue d'une augmentation du financement des projets d'adaptation et de renforcement de la résilience menée par les jeunes dans toute l'Afrique. Dans la priorité de l'Afrique, pour le moment, c'est l'adaptation. On doit s'adapter aux conséquences néfastes du changement climatique. Et ce n'est que la voix des jeunes qui peut être écoutée au plus haut niveau. Voilà pourquoi les jeunes se sont engagés depuis l'année passée pour faire de cela un appel constant et pertinent chaque moment. L'autre enjeu de ces travaux est le renforcement des capacités des jeunes africains en matière de gestion et de mise en œuvre de solutions énergétiques durables. Droits de l'homme au Cameroun, non à la banalisation de la torture. L'interpellation est du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Douala, le réseau s'est appuyé sur le cas Longuet pour enclencher un processus qui vise à arrêter la saignée en ce qui concerne les tortures au Cameroun. Première, c'est que nous disons non, plus jamais ça. D'accord ? Et il y a un collectif d'avocats qui est là. Si vous avez des avocats, venez, appelez-les pour que nous soyons au moins même 30-40 avocats. Vous savez, quand j'ai été appelé à la police judiciaire, c'est eux qui étaient là. Il y avait au moins 50 avocats qui étaient prêts en disant, si on ouvre votre procès, ils vont voir ce qu'ils vont voir. C'est ça qu'on a besoin là. Donc je dis, il faut qu'on commence par les actions que nous avons énumérées. Donnez-nous la liste de tous les avocats qui veulent porter, n'est-ce pas, cette cause, comme nous avons fait avec Ngombe. La conférence de presse paye. Dès qu'on a fait la conférence de presse, si ça a bougé, même si ce n'est pas tout ce qu'on voulait, mais on a obtenu quelque chose. Le jour là, vous étiez tous ici. Nous allons faire la conférence de presse et nous allons donner notre axe de travail. Donc voilà la première chose. Maître Alice Com, c'est elle qui est la coordinatrice de la plateforme, Maître Assira, Maître Akeremoun. Venez, ils sont déjà là, venez apporter d'autres avocats. C'est la première chose. La deuxième chose, nous avons dit que nous allons envoyer la lettre au président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le commissaire pays, c'est-à-dire que c'est lui qui gère le pays, et au rapporteur spécial sur les actes de torture, et au rapporteur spécial sur les actes de torture aux Nations Unies. C'est eux qui sont en charge de ces questions-là au niveau international. Nous allons le faire. C'est les allégations, n'est-ce pas, de torture, nous allons le faire. Et le cas que nous avons mis là, c'est le cas que nous avions. Mais il faut encore les documenter. Et c'est là que le problème commence. Si vous avez, depuis au moins 4 jours, j'ai des vidéos qu'on m'envoie en désordre, mais personne ne documente en disant c'est ici, ça fait comme ça, je suis prête. Parce qu'il faut le consentement, n'est-ce pas, souvent, dans les cas comme ça, des proches ou bien des individus. Et ce qu'on note, c'est que les personnes ne viennent plus lorsqu'il faut, n'est-ce pas, se battre. Parce que tout le monde a peur de la dictature. Je veux laisser voir mes enfants grandir, ou alors je ne veux pas donner. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai donné au RDAC, mais si tout le monde reste dans ce siège-là, comment on va se battre? Donc c'est la troisième chose. Donc si vous avez des cas bien documentés, c'est ouvert ici. Venez avec ces cas documentés. Et vous écoutiez à l'instant Maximilienne Gombe. Elle est la directrice exécutive du REDAC et dans l'extrait précédent, elle revenait sur les 3 actions majeures envisagées pour arrêter la torture au Cameroun. Revenons donc sur la quintessence de cette conférence de presse avec ce reportage que signe Oriane Danquin. Dans une de ses chansons, Longuet Longuet dit, je cite, « Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous ». Fin de citation.
Il n'est pas mort physiquement, mais la mort de sa dignité, du fait de la torture qu'il a subie, est la brèche offerte au réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en abrégé REDAC. Dieu est grand, un jour pour le voleur, 99 jours pour le patron. Longuet Longuet qui a été torturé il y a 5 ans, qui nous l'avait dit quand il est sorti de cette chambre à torture. Il l'avait dit qu'il a été torturé, il a dit, il a pleuré, il a tout fait. Mais il n'avait pas les preuves qui viennent de lui être adressées aujourd'hui à travers cette vidéo que le monde entier a visionnée. L'affaire Longuet-Longuet est extrêmement importante. Et elle n'intéresse pas que les Camerounais. Elle intéresse le monde entier, le monde de la justice où nous allons la mener, parce que la loi qui punit la torture dans notre pays et qui est dans le code pénal du Cameroun nous vient du législateur international. Et celui suscité a choisi la plateforme pour un état de droit au Cameroun, mise en place par le REDAC pour le représenter. Longuet Longuet n'est plus avec nous, à Douala, au Cameroun. Nous allons porter plainte ici, en même temps que l'enquête. On ne laissera pas, monsieur le ministre de la Défense, chevaucher seul. Nous allons nous constituer partie civile là-dedans. Nous allons intervenir dans l'enquête pour s'assurer qu'elle se déroule dans des conditions acceptables. Mais pas que. J'ai déjà saisi le barreau du Paris, parce que Longuet Longuet est à Paris, est en France, à cause de cette compétence universelle qui tient au fait que la torture, c'est une loi universelle. Aucun pays n'accepte aujourd'hui, parce que tous ces pays-là sont membres de l'ONU, hein, c'est la loi de l'ONU. Personne n'accepte ça. Le Cameroun ayant ratifié conventions et autres protocoles contre la torture, le cas Longuet Longuet apparaît donc comme une infraction universelle et son collectif se dit prêt à aller en guerre. Il faut pour cela préparer ses munitions. Ce n'est plus une affaire Longuet Longuet ni son collectif d'avocats. C'est votre affaire. C'est un combat, il nous faudra de l'argent. Il nous faudra des fonds pour mener ce travail avec efficacité. Il nous faudra aller là où on doit aller pour dire ce qu'on doit dire. Et je vous ai dit que c'est la compétence universelle internationale. Donc, vous qui êtes là, vous allez tous devenir des fundraisers pour la cagnotte qui va permettre à tous ces avocats et à tous ceux qui nous aiment, d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y en a ailleurs, de mener ce dossier à votre satisfaction, à notre satisfaction, avec l'efficacité qu'il faut, en élaguant, en enlevant tout ce que vous avez l'habitude de reprocher. Oui, mais on a parlé, il n'y a rien. Mais est-ce qu'on avait mis en place les moyens qu'il faut pour arriver à un résultat? Non. Et c'est là où, généralement, on se fait avoir. Parce qu'ils savent qu'on va s'essouffler. Au cours d'une conférence de presse donnée ce 29 octobre 2024, ici à Douala, le REDAC, non sans faire le point sur les cas de torture enregistrés au Cameroun, a rappelé que le procès à venir n'est pas que celui de Lonkana Simon dit Longuet Longuet, mais celui de tout un peuple afin que cesse cette pratique qui est devenue récurrente, tend à être banalisée. Et qu'après l'élection présidentielle de 2025, tout le monde ait la latitude de s'exprimer certainement. Parlons donc politique. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a la latitude de choisir le mode de présentation de sa candidature en 2025. C'est l'une des résolutions du Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est tenu ce week-end à Yaoundé. Notre parti et son organe dirigeant savaient et sait qu'il y a des élections législatives et municipales en 2025. Maurice Kamto doit choisir le mode de présentation de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Il a reçu l'onction du Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC qui s'est réuni le 26 octobre 2024 à Yaoundé. Concrètement, Maurice Kamto peut décider de se présenter à l'élection
sous la bannière d'un parti politique qui a un élu, ou alors se présenter comme candidat indépendant. Sur ce dernier point, il doit remplir les différentes conditions prévues par la loi camerounaise. L'opposant rassure ses militants que ce sera le cas une fois qu'il aura choisi le mode de présentation de sa candidature. Lors de la rencontre du 26 octobre, le Conseil national du MRC a également donné son accord pour que l'Alliance politique pour le changement, qui regroupe les partis politiques de l'opposition, membres de la société civile et autres associations, soutiennent la candidature de Moïse Kamto lors de la prochaine présidentielle qui pourrait se tenir en octobre 2025. Une vingtaine de chauffeurs taxi tués en l'espace de 2 mois seulement à Yaoundé, c'est dans la région du centre. Désormais, ils mettent en place des stratégies pour se protéger dans l'exercice de leur métier. Inès Pangan et Thierry Hans sont allés à la rencontre de ces Camerounais chauffeurs de taxi qui risquent leur vie tous les jours finalement. C'est l'expérience d'un conducteur de taxi qui aurait pu tourner au pire. Transporter un client qui fait mine d'oublier sa destination dans le but d'agresser le chauffeur. Il me dit, Bankolo, je traverse Omnisport, je traverse Eligdoua. Quand j'arrive au niveau de la carrière, il lui dit que mais mon frère, tu pars. Il me dit que non, je t'ai dit 600 pour lancer le nouveau gare routier. Il dit que non, ce n'est pas ça. Donc le gars calculait que tous mes clients sortent pour qu'ils m'agressent. Des usagers qui violentent et tuent parfois les taximens, des faits connus de plusieurs qui ont développé des astuces pour se protéger. Entre autres, ne pas travailler à une certaine heure de la soirée. Je viens de sortir, comme vous me voyez là. Et à 18h, je gare. Je travaille de 7h à 15h. Donc voilà mon fonctionnement. Donc dans la journée, il n'y a pas de sécurité, vous n'êtes pas en danger. Le plus souvent, c'est surtout la nuit. C'est surtout la nuit. Parce qu'en journée, quand même, il y a la méfiance, mais la nuit est compliquée. Je ne travaille plus trop dans la nuit. Je ne reste plus dehors aux heures tardives. Dans la prudence, qu'est-ce que vous proposez comme astuce? Dans la prudence, bon, que les dépôts, un genre, pour aller dans les milieux compliqués, moi, je ne pars pas. J'évite de porter déjà 2 personnes qui sont ensemble et de ne pas trop travailler dans la nuit. À partir de 16h, moi, je suis obligé de rentrer et retrouver mes parents ou mes enfants. Fais confiance à son instinct. Moi, tout d'abord, quand j'ai des passagers, j'essaie de les examiner. Je regarde un peu, je juge que ici, là, ça peut être peut-être un bon dépôt. Et de l'autre côté, c'est un faux dépôt. Ça peut être un faux dépôt. Et en plus, le nombre de personnes tout d'abord. Si vous me stoppez, pour un dépôt, je trouve déjà 3 personnes, je vais fuir. Bon, quand c'est une personne, je regarde encore si c'est porté le matériel, je dis que bon, ça c'est encore un bon dépôt. Un peu bon, et quand en route, je vois que c'est un peu un jar, selon les habitudes du client, je commence à faire ma prière. Je dis, Seigneur, même si c'est n'importe comment, si c'est que c'est un faux dépôt, faut faire en sorte que la personne, étant là où il est, et qu'il essaie de me perdre le temps là, je peux quitter, même j'abandonne l'argent, je pars. Et il y a des quartiers qu'il ne faut pas aller, les quartiers tellement reculés. Quand quelqu'un veut te prendre ici, tu te dis un quoi ban, après je ferai un quoi ban. Ça veut dire que la personne là, elle va tout te faire là-bas. Et compter sur la protection divine. On remet seulement notre genou au Seigneur, hein, parce qu'on ne sait pas réellement. On peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. On remet notre genou au Seigneur, ne pas tomber sur des personnes comme ça. Qui nous enlèvent tout le temps, ils nous tuent, ils prennent nos véhicules. Je ne sais pas s'il y a une protection particulière, mais quand on porte les gens, ce n'est pas écrit sur eux qui vont nous agresser. Donc Dieu nous protège. Des techniques personnelles qui devraient être soutenues par des actions du gouvernement et des forces de sécurité. Entre autres propositions des taximens rencontrés à Yaoundé, l'éclairage de la ville et les contrôles non complaisants. From Yaoundé, the over 700 motor taxi drivers, only a handful have up-to-date documentation. Many express frustration over the high cost and challenges obtaining these essential papers. With the mayor's recent push for all the drivers to regularize their status, many face an uphill battle to comply.
highlighting the difficulties. Onila Donet with more. As years go by, the process of acquiring the right circulation documents by commercial bike riders gets more complicated. From the discharge tax slip asked a few years back by Kansu police, these riders are being asked to add to the discharge slip a driving license and an insurance policy, a demand that cannot be met due to its high cost. Je me rends compte que il y a déjà tout un tas de désordres qui se passent à ce qui concerne les papiers qu'on nous réclame, à savoir l'impôt libératoire, que dans le passé, c'est ce qu'on nous réclamait uniquement. I realize that there's so much disorder in regards to acquiring documents. In the past, we were asked to show our discharge tax documents, but now we are asked to show our insurance slip, our driving license, and the conditions in which we are being asked these documents is so unbearable. Because imagine, we are in a roundabout waiting for customers, and we are confronted by police, council officers. They seize our bikes. Working is so hard. We don't have the money to make all these documents. Making a discharge tax slip isn't easy. With all these documents added upon, it's not going to be easy. Rappelez-vous un instant par rapport aux impôts libératoires. Déjà que ce n'est pas facile. À nos jours, on demande à ça le permis, on demande à ça l'assurance. C'est pour nous compliquer la tâche. Donc ce qui fait que tout ce désordre qu'on vit là, ce n'est pas facile. Others are still struggling to renew their national identity cards before thinking on how to save up for other documents. Bon, pour l'obtention qu'on nous demande, oui, ça fait 2 semaines que je n'ai plus ma carte d'identité expirée. Comment est-ce que je vais faire alors pour pouvoir obtenir mon permis de conduire puisque tu ne peux pas faire le permis sans carte d'identité? In regards to the documents being demanded, I don't even have my ID card. It's been over 2 weeks since it expired, but I have not been able to renew it. And you cannot get a license without an ID. Even when you try renewing it, it's very difficult. You have to bribe so the line will go quick. Bon, au niveau du financier, c'est exactement financier. Parce que quand tu arrives, il y a des fois les deux rangs comme ça, tu es obligé peut-être de choquer pour qu'on puisse avancer avec toi pour pouvoir régler. Mais tu n'as pas de moyens là. Ça fait 2 semaines que j'ai pris ma moto, mais ma carte d'identité est là, mais c'est déjà inspiré. With the adverse effect of the coronavirus on their sector of business, these drivers are requesting for some time and understanding from authorities. Question d'argent, dehors du jeu, ce n'est plus facile comme les années précédentes. Pour le moment, pour avoir les pièces, money is difficult to get. The time we are at is difficult. They should give us more time so we can get the documents. On nous donne du temps. Que tout se relance normalement pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse obtenir nos pièces. It should be noted that out of the over 70,000 bike riders in circulation in Douala, just few managed to secure all the right documents. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité internationale. Je précise, africaine notamment, je précise que nos partenaires reviendront également sur le meurtre du deuxième adjoint au maire de Bamenda, Dame Jokafrida. En Guinée, le régime militaire a mis sous observation les principaux partis déjà grandement réduits à l'impuissance et en a dissous 53 autres. Le ministère de l'administration du territoire parle de la nécessité d'assainir l'échiquier politique. La junte du maire de Bamenda, la capitale de la région camerounaise anglophone du Nord-Ouest, en proie à un conflit séparatiste, a été enlevée et tuée par des hommes armés, a annoncé lundi la radio d'État. Elle avait été enlevée le 26 octobre. La police du Mozambique a tué au moins 11 personnes et en a blessé plus de 50 lors de violences post-électorales, a affirmé mardi l'organisation Human Rights Watch. Des manifestations ont secoué ce pays depuis que le parti Frelimo, au pouvoir depuis 1975, a été déclaré vainqueur des élections du 9 octobre. La France et le Maroc ont conclu des contrats et des accords d'investissement dont le montant global atteindra jusqu'à 10 milliards d'euros, a annoncé la présidence française. C'est à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat qui a débuté lundi. And in the USA, on November 5, Americans will vote for the next US president. But the winner is decided by the Electoral College. Rather,
than the national popular vote comprising 538 electors. The system requires a candidate to secure at least 270 electoral votes to win. Highlights of this with our Voice of America partners in the following report. When candidates win the popular vote, it means they've secured more total votes than their opponent. But this isn't how the U.S. president is chosen. When America's founding fathers established the electoral process in 1787, they wanted to balance the power between states and prevent unfit candidates from assuming the office. The Electoral College was created as a compromise, acting as a buffer between elections and presidential appointments. The Electoral College currently has 538 electors, distributed among all 50 U.S. states based on the size of their congressional delegations, which in turn is based mainly on population. California, for example, has 54 electors, while sparsely populated Wyoming has only 3. To become president, a candidate needs at least 270 Electoral College votes out of 538. 48 states and the District of Columbia have a winner-takes-all system, so the presidential nominee with the most votes in that state receives all the electoral votes. Two states, Maine and Nebraska, allocate some electoral votes to the candidate with the most votes in each congressional district, so the outcome can be split. When it comes to the outcome of the U.S. election, the nationwide popular vote doesn't matter. It's possible to become president even with fewer popular votes than another candidate. This has happened 5 times in history. Donald Trump became president in 2016 despite receiving 2.9 million fewer votes than Hillary Clinton. George W. Bush won the White House in 2000 despite having 540,000 fewer votes than Al Gore. America's indirect election process continues to face scrutiny. There have been more than 700 proposals to abolish or reform the Electoral College, but none have succeeded. We'll probably know the next president shortly after Election Day. But electors from each state don't formally vote until December. Although the Electoral College process is written into the Constitution, it doesn't say electors must vote in line with state voters. That's left to the states to mandate. Until now, 90 faithless electors have voted for a different presidential candidate, though only one ever voted for the losing party's candidate in a close election. This has never swung an election, but it highlights the unpredictability and vulnerability of America's electoral systems. And that report from our VOA partners puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching. We appreciate your time with us. See you again tomorrow for more news and fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila Renkonsou. Bonsoir à vous, Christelle Lassec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.